il s'agit d'une coproduction franco-belge. C'est un film qui se déroule sur 24 heures et qui présente des destins croisés. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Alors, il est ici présenté en compétition première œuvre de fiction. Vous aurez l'occasion, à la sortie de la salle, de voter pour le prix du public fiction. Alors, nous avons la chance d'avoir un grand nombre de l'équipe parmi nous. Je vais les appeler également sur scène. Le réalisateur, donc Farah Sen. Et alors les comédiens qui vont pour la première fois voir le film. Donc c'est la première fois que ce film est utilisé à un public. Donc vous êtes chanceux. J'invite donc les comédiens Salim Keshiouch. Alors, il y en a une qui se cache, voilà, Jenna Tsimba. Et un des producteurs, Nicolas Georges. Dans la longue liste. Voilà, donc on va retrouver toute l'équipe juste après la projection du film pour une séance de questions-réponses. Je vais vous demander de bien rester assis et de participer à cette séance qui est vraiment une chance pour vous d'en savoir un peu plus sur l'équipe, sur les intentions, etc. Alors peut-être un petit mot du réalisateur avant la projection, de nouveau sans dévoiler évidemment l'histoire du film. Merci, bonsoir à tous. C'est toujours agréable de voir une salle pleine, presque pleine. Donc c'est la première ce soir, c'est sympa parce que ça se passe en Belgique, le film a été tourné en grande partie en Belgique, donc l'équipe, la majeure partie de l'équipe du film est là ce soir, donc pour découvrir le film en même temps que nous, donc ça fait plaisir. Je ne parlerai pas du film, parce que vous allez le voir dans quelques minutes, on en parlera plus après. Donc voilà, merci à tous, merci au festival, merci à l'équipe du film, techniciens dans la salle, comédiens, sur scène, après le film viendra avec tous, on dansera tous sur scène. Et voilà, ça m'a fait plaisir de participer à cette aventure avec vous. Et on en reviendra plus tout à l'heure, je pense. Si vous voulez peut-être vous présenter, parler de votre famille. Non, bonsoir, merci d'être là, bonne projection, quoi dire de plus, vous avez le film. Voilà, c'est la première fois pour moi et pour la plupart des acteurs qu'on voit le film. Donc, bonne projection. Aïden. Tout est dit. Donc. Il n'y a plus rien à dire en fait. Juste à dire qu'après la projection, vous allez tous à la... au chef à boire. Une fois qu'ils ont pu rester ça à dire. Et donc, bah, bonne projection à tous et à tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vais inviter l'équipe à venir sur scène, en commençant par le réalisateur Farah Sen, ancien basketteur professionnel, reconverti en cinéma, après avoir réalisé plusieurs courts-métrages et longs-métrages de fiction. J'invite ensuite le comédien Salim Keshiouch. En 1999. On l'a également vu dans Le Clan de Gaël Morel, présenté au FIF en 2004. Et aussi, vous l'avez peut-être vu l'année passée dans La vie d'Adèle, si vous avez été voir ce film, d'Abdelatif Keshiouch. Il jouait le rôle de Samir. Ça a été donc présenté dans le cadre du FIF en 2013, ce film qui a donc gagné la Palme d'Or à Cannes. La vie d'Adèle, c'est la vie dans le rôle de Catherine. C'est
On la retrouve dans le 7e ciel Belgique en 2005, Retour simple en 2009, et Moroccan Gigolo récemment en 2013. Je voudrais ensuite applaudir une comédienne belge, un second acteur belge, Benjamin Ramon. Et dans Tokyo Anime, présenté au FIF l'année passée, en 2013. J'invite ensuite Kevin Diana. On a vu qu'il a pris une ouverture en 2013. J'invite ensuite Karina Testa, qui joue le rôle de Sabrina dans le monde de la France, qui vient de voir. On a vu dans la frontière en 2007, et encore dans Shadow en 2009. C'est surprenant. Ils sont nombreux, voilà, c'est très bien. J'invite ensuite Jenna Simba, qui joue le rôle de l'acteur. Alors on l'a vu notamment dans Mes copines en 2006, 7e ciel en 2013, ou Regarde-moi, un film qui a été réalisé, produit en 2007. Et enfin, les producteurs, donc je vous l'ai dit, c'est une coproduction belgo-française. Alors nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Traillet de Ciné TV Production française, ainsi que Nicolas Georges de la production belge, le film de Dicaré. Voilà, j'espère que j'ai bien invité tout le monde. Alors peut-être, comme c'était la première fois que vous voyez le film après l'avoir joué, peut-être une première impression de l'un d'entre vous. Oui, c'est surprenant de nous voir tous, parce qu'en fait, pour ma part, j'ai tourné que deux jours, donc c'était très rapide, et même si j'avais lu le scénario, il y avait pas mal d'histoires que j'avais oubliées, ou en tout cas que je n'avais pas vécues de l'intérieur. Donc c'est fort de voir tous ces destins croisés, de les voir à l'écran, interprétés par tous des comédiens que finalement je ne connais pas vraiment. Puisque je vous dis, j'ai surtout pleuré dans mon lit. J'ai à peine vu Bruno, j'ai juste eu le temps d'être dans ses bras. Mais par contre, j'ai passé pas mal de temps avec Valentino. Est-ce que tu veux venir? Et que je trouve formidable. Moi, je trouve que tu as fait un très très beau travail, ainsi que tout le monde. Donc bravo à tous. Non, après c'est vrai que c'est surprenant, même si on a plein de souvenirs, on a tourné moi, là on découvre nos histoires et surtout on découvre aussi les histoires des autres. Et on voit tous les liens qui se créent, qui se... Voilà, pareil que toi, comme tu dis, j'ai lu le scénario bien sûr, mais de le voir en image bouger, vivant, enfin voilà, c'est... Voilà, moi pour ma part ça m'a plu, voilà. Moi aussi ça m'a plu. J'espère que vous aussi. Et voilà, et ce qui est cool, c'est que Farah a réussi à fédérer tous ces gens-là. Et je les sublime tous, et je trouve que ça marche du tonnerre. Mais oui, je trouve que Farah a vraiment super assuré. Pour le peu d'argent qu'il y avait sur ce film, pour. Enfin, pour le peu de temps, je suis carrément hallucinée du résultat, en fait. Bravo, et vraiment bravo à tous les comédiens. Moi, c'est vrai que j'ai une toute petite partition, mais je suis vraiment ravie d'être dans ce film, je suis hyper fière. Voilà, donc j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi, et à nous tous. Mais moi, ce que j'ai aimé, en fait, comme sensation, comme ça, directement après le film, c'est qu'il y avait une émotion qui était tout le temps là, j'avais l'impression. Et qui n'était pas trop forcé et tiré, et qui a réussi quand même à un peu plus décoller vers la fin. Et du coup, j'étais assez pris par ce côté sensible et en même temps touchant du film, quoi. Le message de ce film, il est simple. Enfin, c'est un peu. Aujourd'hui, on vit une époque difficile, il y a beaucoup de contraintes. Dans la vie de tous les jours, et on se plaint souvent des autres parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, parce qu'on n'avance pas. Et en fait,
Je pense qu'on veut d'abord se regarder soi pour changer le monde. Si on veut changer le monde, il faut déjà changer soi-même. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que si déjà individuellement on se prend en main en faisant ce qu'il faut, je pense qu'après collectivement ce sera plus simple. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Prenons notre vie en main, attendons pas que les gens le fassent pour nous, quoi. Prenons notre vie en main et après, voyons ce qui se passe. Quoi. Voilà, le cinéma c'est un sport d'équipe. On voit toujours les comédiens en premier, parce que c'est sur l'image, donc c'est normal. Mais voilà, un film se fait avec des techniciens. Il y en a beaucoup ce soir, donc j'aimerais vous le deviner. Même tous les comédiens que je vois. Et que vous venez ici. Que vous venez aussi. Donc voilà l'équipe au complet, les techniciens, Pierre, Guillaume, Electron, Marseille, costumier, et tout le monde. Voilà. Donc voilà, le film existe grâce à ces gens-là, qui sont là et ceux qui sont absents malheureusement, mais voilà. Donc applaudissez-les.